Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo bonus que je vous avais promis. Bon, je vais vous montrer toutes les personnes de mon clan. Bon bah ça c'est moi. Oui, on visite. Alors. Bon bah il s'est fait défoncer de voix. Pas beaucoup pour regarder, il était HDV5. HDV5 niveau 22, ouais, si, c'est ce que je suis. Bon bah il s'est fait défoncer. Alors, il s'est fait défoncer. Non. Oh, le primo. Regardez, il passe HDV6. Comment ça? Il est primo. Bon, après, il fait ce qu'il veut. Alors. Viens, on va pas regarder parce que ces villages là pas trop, il n'y a pas trop des villages bien à mon autre petit village. Parce que là c'est surtout des villages, j'ai 5. Oui je sais, c'est un peu bazar. Ah non, c'est vrai que je l'avais refait ma ville. Ah oui, c'est vrai que je vais bientôt les sorciers. Après je vais y aller à son petit compte là. Je suis passé à GV5 hier. Donc j'ai déjà lancé ma caserne 7. Ça va, je suis pas mal là encore. Alors, on va regarder plus au-dessus des 1000 trophées. Parce que sinon, ça va faire trop long. Donc attends, 1000 trophées. Regardez, je sais pas si vous avez déjà vu un Prima comme ça. Franchement, chapeau. Il est Prima, regardez-moi ça. Regardez. Bon, peut-être pas au niveau des murs, mais regardez, il fait passer ça. Il est mongol. Même moi avec mon petit compte sur. Non pas avec sûr. Hein. Avec mon petit compte, je change de joueur là, je m'envoie deux Valkyries, vite, je le crève. Faut qu'il améliore ses défenses, ça hein, c'est obligé. Il va être prima de ouf. Après il fait ce qu'il veut. Donc. Alors, à partir d'une trophée, bon bah ça commence à partir de. Donc on a 25, non. On va regarder les villages un peu avec des que je connais. Grande ville. Wesh papy. Donc wesh papy, le village de Ezei. Il est HDV5, bien maxé. Il est en train de faire passer. Bah, il a 4 ouvriers maintenant, Ezei. Déjà? 1, 2, 3, 4. Ah oui, il a 4 ouvriers déjà aidés. Il va vite. Regardez, lui, ça, il mixe bien. Attendez, je vais. Bon, il fait un full archer. Toi, il m'avait pas dit. Il m'avait dit qu'il en avait 3, mais pas 4. Bon, après, voilà. Alors, combien? Terminator Renan, Alexinan. Jérémy, lui, je le connais dans la vraie vie, l'HDV9. Moi, ça va, j'aime bien quand même. J'aime bien quand ça vit. Mais faut qu'il s'améliore. Oh, bah, il s'est fait défoncer. Terminator Wartek, l'ancien comte de Ezei, regardez, regardez, un prima comme ça, j'ai jamais vu ça. C'est un HDV9, hein, regardez. Regardez. Non mais ça c'est un prima, dites-le. Regardez. C'est un prima, les gens, niveau 52, HDV9, regarde. L'ancien comte de Ezei. Bon allez, il a refait un compte, il s'est amélioré quand même. Hein. Bon heureusement, parce que sinon, non. Mon gros compte. Regardez, je suis le chef. Je me suis mis à enlever des gardes de clan parce que j'ai mis plein de trucs à mettre. Regardez, mon HDV9. Bon, c'est bon, je suis pour faire attaquer. Là, je vais passer mes dragons 2. Ça se finit demain.
Ça, c'est mes deux archers qui se finissent dans 5 jours. Ça se finit demain. Comment on arrive quand t'as récolté? Parce que sinon. Ah oui, et je fais passer mon usine de soeur au niveau 4. Ah, ça prend, ça c'est bien. Pour avoir sort de saut, sort de gel. Ah, j'apprends à faire un truc. Ah, je vais pas le faire ça. Barbare de 3 de Jojo. Qui c'est qu'on pourrait aller voir? Firebird. Ah oui, lui aussi j'aime bien son village. Lui c'est un HDV9 mais il est pas pré-mort, hein, je vous le dis. Regardez. Ballon 5. J'aime bien son village. Oui. Oh, ses serviteurs, comment ils sont stylés. Oh, ils sont trop stylés, ses serviteurs. Il améliore pas là. Il n'a rien amélioré. Donc, bah, franchement, ça. Ok, ouais, je suis pas pu attaquer. J'ai envoyé, ok. Ok. Donc, il va mettre la vidéo dans le chat. On va regarder son attaque. Nous, en attendant, on va regarder comme ça. Et voilà. Donc là, 0 Tamiotaro. Ah, mais attends, si c'est qui quand si c'est. Et même ça, elle parle tout le temps. Ah, voilà, c'est elle. Elle parle tout le temps, elle fait que ça. Parler, 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 parler. Alors. Oh, il faut qu'elle améliore ses défenses. Hein. Oh, il faut qu'elle améliore ses défenses. Hein. Il faut qu'elle améliore ses défenses. Donc. Qu'est-ce que je veux dire? Donc moi sur ce, je vous dis à tout de suite pour le gameplay des AI. Donc nous reprenons la vidéo. Les AI nous a envoyé bah, son. Donc déjà il savait même pas comment on faisait. Lol. Donc regardez le nom de sa chaîne qui est là. Ici donc là regardez son attaque, on va regarder ça tout de suite. Alors Joe s'est fait bah pour son niveau il s'est fait plaisir hein, je pense. Moi je sais pas, j'aurais peut-être pas attaqué par là, moi j'aurais plus attaqué par là. Mais bon, si le sang il est passé, c'est qu'il a bien attaqué. Oh, si, en fait, si, ça, il a bien attaqué. Bon, tu aurais pu être dans la merde à cause du mortier. On a peut-être pas fait gaffe, par contre. Oh, bah, ça va, pour le voyer, il avait des ballons malheureux. Oh, la défense aérienne qui fait mal au ballon. Oh si, bah de toute façon si le temps il passe. Il aurait pu économiser des troupes par contre. Regardez tout ce qu'il aurait pu économiser en troupes. Regardez, c'est abusé. Franchement j'aurais été toi, ils ont eu. Ils ont économisé des troupes. Là t'as utilisé trop de troupes, ça servait à rien. T'as pas dû faire en bénéfice, t'as pas dû faire beaucoup en élixir. T'as utilisé beaucoup trop de troupes. En archer, surtout en archer, t'as utilisé trop de trucs, c'est sûr. Donc, bah sur ce, moi je vous dis, on va se laisser sur le gameplay de cette attaque. Moi, je vous dis, bah, à la prochaine et tchuss!